C'est quoi ces sons? Oh, ça! Ce sont les pleurs de Wakomumu. C'est le cri d'un oiseau. Tu as bien entendu cela parce qu'il fait partie de la forêt. Et quand il pleure, cela suppose que quelqu'un est mort ou quelqu'un veut mourir. Dédé nous aide, parle. Ah, allons-y. Tu es sûre que tu vas bien? Ada? Je sais pas. Je ne me sens pas bien. Et c'est comme ça depuis que j'ai entendu cet oiseau-là chanter. Il n'y a rien à s'inquiéter là-dessus. C'est juste parce que tu n'es pas habituée à ces cris. Il n'a vraiment rien à s'inquiéter. Tu iras bien. Ça arrive toujours, ne t'inquiète pas, hein? Ça va aller. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ada, s'il te plaît, arrête de me déranger. Je t'ai dit que je ne me sens pas bien, je me sens bizarre. Ok, laisse-moi t'aider. Aide-moi à le soulever. Moi aussi. Naïne, bon après-midi. Ferme-moi ta sale bouche. Vous les femmes ne gardez jamais votre bouche fermée. Hein? Ma fille, tu peux y aller. Hein? Ok, Naïne. Ok, Naïne. Ujimba, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est en train de me regarder? Oloma, tu n'as pas de quoi t'inquiéter. C'est juste qu'il y avait deux femmes qui se battaient il y a quelques minutes. Et on venait de les séparer. Mais ils ne connaissent pas vrai. C'est vrai, oh. Tu vois? C'est vrai. Viens, on va y aller, hein? Écoutez. Viens, allons-nous-en. Attendez, c'est la voix de ma mère. Écoute-moi, j'ai dit, ne t'inquiète pas, tu vas bientôt comprendre qu'il n'y a aucun problème. C'est ma mère qui est en train de virer. Viens, attends, on va te... Allons-y. Oloma, reviens, arrête-toi, arrête, ne cours pas. Oloma, Oloma. Oloma. Oloma, je t'en prie, s'il te plaît, n'y va pas. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je t'en prie. Maman! Oloma! Maman! C'est pas possible! Calmez-vous, je vous en prie. Maman! Osanie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde pleure? Maman! Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Ton père! Oh, je n'ai plus. Ton père ma est mort. Fille. Ton père est mort. Ton père est mort. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Papa! Oh mon Dieu, c'est fini!
désolée. Moria a été enterré il y a des jours de cela. Il est mort. Oloka, c'est vrai. Je ne veux pas du tout croire ça. Je ne peux pas. Parce que j'étais avec lui ce jour-là même. J'étais venu dans mon shop pour acheter du cola. Je l'ai aidé à acheter toutes ces choses que je n'avais pas. Nous étions restés ensemble toute la journée avant qu'il ne me dise qu'il devait rentrer. Je l'ai même aidé à attacher toutes ces choses derrière son vélo. Je lui ai même dit au revoir. Sans pourtant que je le sache, que j'envoyais faire la mort mon propre ami à moi. Hey! Il est mort! Hey! Il est hey! Mort! Il est Obia Criso! Hey! 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 Mon Dieu! Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Calme-toi, comment est-ce que je vais vivre? Oh la tchie, considère ta condition. Est-ce que tu vois comment tu es? Ça va aller. Essaye de t'apaiser. Apaise-toi, s'il te plaît. Sois forte pour ta fille et ton bébé qui va naître. Mon Dieu, et il ne va jamais te décevoir. Merci. Merci, ma sœur. Oh. Merci pour ce conseil. C'est ce que je lui dis. Oh. Je ne cesse de le lui dire. Dis-le lui. Oh. Ça va Vois-moi, aller. Oh. Tantine, qu'en est-il de sa fille là, Ouloma? Elle est à l'école. L'école. Elle va retourner très bientôt. Okay. Ma fille va bientôt revenir. Elle va bientôt revenir de l'école. Oh, son père est mort. Il est mort et enterré. Ça va aller, ça va aller. Et il m'a abandonné. Non, 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 c'est pas la peine. Je sais de quoi je parle. Mais il n'en sera pas ainsi. Non, il n'en sera pas ainsi. Écoute-moi. Obia Criso, ton défunt mari, était un gentil homme et un très bon ami à moi. Je vais m'assurer à ce que tu ne manques de rien. Il est mort, c'est vrai, mais je suis encore en vie. Je prendrai soin de toi et de toute ta famille. Vous ne manquerez de rien. Et pour l'éducation de ta fille, je vais prendre soin de ça. Je vais m'en assurer. Merci pour votre sens de responsabilité, oh. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci énormément, oh. Mon mari, mon amour. Dieu au contrôle. C'est ce que tu m'as fait. Je suis contre maître. Olachi. 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 Ah ah. Ma soeur, suis-moi. Yeah. Ah ah. Olachi. Je t'appelle à maintes reprises. Tu ne me réponds pas. C'est quoi? Jusqu'à quand vas-tu continuer à pleurer? Olachi. Olachi. Ton mari est mort.
est partie pour toujours. Grande chance, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Je sais que ce n'est pas facile. C'est pas facile, oh. Je le sais très bien. Mais tu dois être forte pour tes enfants. Grande chance, je ne vais pas te rester avec mon mari. Le monde des esprits a des oreilles. Est-ce que tu m'entends? Ne dis plus ce genre de choses. Tu devais être préoccupé maintenant sur ce bébé qui vient de naître et de tes enfants qui n'ont plus un père. Hein? Est-ce que tu sais que ces enfants ont encore besoin de toi? S'il te plaît, calme-toi. Nogo? Grande sœur, c'est pas facile pour moi. C'est pas facile pour moi. Grande sœur, je ne saurais pas continuer. Essaye d'être forte. Je ne saurais pas. Tu dois te surpasser. C'est depuis hier que tu n'as pas mangé. Je t'ai apporté à manger. Lève-toi, hein, ma chérie. On va à la maison, tu vas manger. S'il te plaît, lève-toi. Lève-toi. Hein? Lève-toi, lève-toi. Je t'ai apporté ton repas favori. J'espère que tu vas bien te régaler. Hein? Tu sais, hein, du temps qu'il nous apprend que l'homme est ici de la poussière. Et il rentrera à la poussière. Ça, c'est le chemin de tout le monde. Sois forte. Je ne suis le meilleur est à venir. Je serai toujours là pour toi. Que Dieu te bénisse. Merci. Il n'y a pas de problème. Nous sommes une famille. Voilà. J'ai des contractions. Va chez ma grande soeur. Va l'informer que j'ai des contractions. J'ai des contractions. Va vite, oh, va vite, je n'arrive pas. Oh mon dos. Va chez ma soeur. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Oh. Hey. Ma tante. Ma tante. Mais qu'est-ce que tu poursuis? Ma maman. Hein? Elle m'a dit d'aller maintenant et si ça mal. Hé, hey, Seigneur, mais pourquoi maintenant, non? Hein? Attends, reste t'occuper de ces ignames. Hein? Va dans ma chambre. Tu verras la soupe dès que tu finis. Tu amènes la nourriture là-bas. D'accord. À tantôt, ok? Ah, je ne viens pas avec toi. Tu finis avec ces ignames et puis tu nous les apportes. Centimètres, pousse. Et dis que tu pousses. Pousse encore. Oui, pousse. Continue de pousser. Oui. Non, sans effet. Je n'arrive pas. Tu oublieras ta douleur très bientôt. Maman. Je n'ai pas cette chance. Mais ne pas, je vais lui donner un produit et elle le fera tranquillement. Cette huile va la ravitaliser. Dans quelques minutes. J'espère bien. Oui, juste dans quelques minutes, elle aura assez de force pour pousser. Allez, ma chérie. Ma chère, t'inquiète. Ma sœur. T'inquiète. Toute cette peine va prendre fin très bientôt. Calme-toi et pousse doucement. Oui. Vas-y, pousse. Essaye de pousser, mais vas-y doucement. Encore. Très bien. Oui. Lentement, lentement. Ça y est. Il est presque. Oui, il est là. C'est un bébé garçon. Ok.
Bienvenue au monde, notre bébé. Bienvenue au monde, notre bébé. Bienvenue au monde, notre bébé. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur. Oh. Hey, oh. Regarde ton bébé. Ton bébé est là. Regarde le bébé. Est-ce que tu le vois? Le bébé. Chichi. Appelle-le Chichi. Nzata, Chichi. Nzata. Notre bébé. C'est Chichi Goudeme. Oui. Hey. Viens. Grand Dieu, je l'entends appeler mon nom. Comment ça? Grand Dieu, je pars me réjouir avec lui. Ta! Jamais. Non. Jamais. Que Dieu t'en épargne. Si tu les regardes, me dis quelque chose, non? Je t'en supplie, pardon. Prends soin de lui. Prends soin de Oulouma, ma fille. Et Chichi, élève-le comme les enfants que tu n'as jamais eus. Non, je ne prendrai soin de personne. Et je ne prendrai soin de personne. Enfants. Tu n'iras nulle part. Mais c'est incroyable. Non, elle n'a pas eu de complications. Ce n'est pas possible. Non, incroyable. Non. Hey, regarde. Tiens le bébé. Tiens, tiens. Tiens le bébé. Non, ce n'est pas possible. Oloti, non. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Lève-toi. Oloti, lève-toi. Oloti. Oloti, réveille-toi. Oloti. Oloti, ne fais pas ça. Oloti, l'enfant a besoin de toi. Oh. À peine. Et tu l'as mise au monde. Non. Oloti, réveille-toi. Oloti, ne peux pas faire ça. Non, Oloti. Ah, non. 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 Oloti, réveille-toi. Oloti. Calme-toi. Tu n'es pas supposé être là. Ma fille, s'il te plaît, tu n'es pas supposé être ici. S'il te plaît, sortons. Tu ne peux pas être ici. Allons-y, ma fille, s'il te plaît, sortons. Oloti, Oloti, tu as laissé tes enfants. Hey, Abaka, calme-toi. Calme-toi. Oloma, calme-toi. Hein? Laissez-moi aller convoquer une réunion avec les anciens. Au moins, nous devons savoir ce qui s'est réellement passé avant de pouvoir procéder aux funérailles. Voyez? Doucement, doucement. Je vais faire mon enterrement. Enterrer Oloti. Enterrer ma sœur. Papa! Oloti, Oloti, viens. Maman, je ne sais vraiment pas par où commencer. Tu sais, maman, ce n'est pas la peine de tout rester ici et de souffrir au village. Regarde l'homme. Je sais que nous n'avons pas le même sang. Mais Obia Criso, le défunt mari de ta sœur, était un très bon ami à moi. D'ailleurs, il est bien plus qu'un frère pour moi. Alors moi-même ainsi que ma femme avons pris une décision. Et c'est ce pourquoi je suis ici. Nous voulons prendre Oulomba pour la cité. L'élever dans son éducation, nous assurer à ce qu'elle devienne une vraie et responsable femme qui sera d'une grande utilité pour toi dans ce village. Parce que si seulement elle réussit, l'esprit de Obia Criso sera très content de moi, peu importe où il est. Je t'ai entendu. Mais qui sera en train de m'aider, non? Ochetti est encore très petit. Il a à peine 2 ans. Maman, je comprends très bien ce que tu veux dire. Écoute, le futur de Oulomba est le problème ici.
Je veux qu'elle devienne une véritable femme responsable. Et je ne peux faire ça seulement que si elle vit dans ma maison. Mes enfants ont tous grandi. Ils ont déjà quitté la maison. Alors il n'y a personne là-bas. Elle pourrait maintenant se concentrer et bien faire ses études. Je te comprends maintenant. Mais tu sais, cette fille, Ulloma est passée par beaucoup d'expériences de traumatisme. Je ne souhaite pas qu'elle soit loin de moi. Je veux la garder sous mes yeux. Maman, c'est la seule situation qui a fait que je sois ici. Je sais que Obia Crizo, s'il devait être en vie, il aurait fait bien plus que ça pour moi ainsi que mes enfants. C'est pourquoi je suis là, pour que son esprit repose en paix. Ah, ok. J'aurais bien voulu qu'elle reste avec moi, mais comme tu insistes, je te laisse la prendre pour la ville. Au moins, nous aurons quelqu'un de bien éduqué dans la famille. Nous en avons besoin. Merci beaucoup. Mais tu sais, je suis sans mots. Je ne sais comment te remercier. Je ne sais comment te témoigner ma gratitude. Merci maman, énormément. Merci, c'est bon merci, maintenant. Hein. Je ferai n'importe quoi pour mon ami. Ne vous en faites pas. Faut maintenant que je parte. Oh non. Mais je reviendrai dans 2 jours précis. Je la prendrai quand je reviendrai. Ok, alors assurez-vous qu'elle soit bien prête. C'est bon maintenant. Hey. Merci beaucoup. Salutations à toute la famille. Oh, je pars. Prends soin de toi. Je dis que tu reviens dans 2 jours. Oui, 2 jours. Hein. Oui, d'allô. Bye. Merci. Ok. Salut ta mère pour moi. Oh. Et aussi ma femme. Oh. Elle est déjà revenue. Oh, il y a... Ulloma, viens. Viens. Viens te mettre ici à mon côté. Ah, mon Dieu. Ulloma, mets-toi et sois à l'aise. Ah. Oh chérie, c'était comment le voyage? Ah, c'était bien, mais je suis vraiment fatigué. Je sais, je sais. Et comment les gens du village? Tout le monde va très bien là-bas. J'en témoigne. Ok. Excusez-moi. Ouais. Ok. Excuse-moi. Je suis vraiment fatigué. Ok, dis-moi. Comment ça s'est passé? Ça va très bien. Vraiment très contente. Surtout quand je lui ai dit qu'elle commencerait l'école immédiatement. Immédiatement? Exact. Elle ne peut pas commencer immédiatement. Ah. On doit d'abord la tester et savoir si elle va rester avec nous. Qu'est-ce qui va se passer si on l'inscrivait et qu'on paye l'argent et un jour elle se réveille pour dire qu'elle ne sera pas avec nous? Non, ça ne va pas marcher. Nécessaire. C'est ce que j'ai promis à la femme de mon défunt ami. Et je ne pense pas que ce sera un problème pour nous. Spécialement que nos enfants sont tous à l'école. Ne penses-tu pas cela? Ça va. Permets-moi de la faire visiter la maison. D'accord, laisse-moi, je vais me changer, me détendre un peu. Sûrement, je vais prendre une bouteille de bière ou deux pour commencer la journée. Ulloma. Ulloma, viens ma? Avec ton sac, je te montre ta chambre. Ok, ma. Je n'aime pas ça. Ça, c'est vraiment une habitude qui montre que tu reviens du village. Grace, ce n'est qu'une petite bouteille inoffensive. C'est vrai ça. Je pouvais calmer une mère. Après un tel long voyage du village, comment dis-moi? Hey! Ulloma, viens. Qu'est-ce que tu as appliqué sur ton corps? Mon huile de palme. Ça ne sent pas bon. Mets ça de côté et on va acheter un autre pour toi, ok? Ok, ma tante, merci. Je pars pour continuer à manger. Ok, tu peux aller dans ta chambre. Mais rassure-toi de débarrasser et de tout ranger. Après, tu iras au lit. Grace, elle vient à peine d'arriver. Pourquoi ne pas la laisser se relaxer pour un temps? Non! Demande-moi de la faire manger. Et après, je vais l'habiller parce qu'elle a encore un bébé. Quel est ton problème? Chérie.
J'arrive, ma tante. Il y a quelque chose que je vais te dire. On attend un petit moment avant qu'on t'inscrive à l'école. Alors, je vais t'occuper, hein? Je veux que tu puisses vendre ces histoires aujourd'hui. Et d'ailleurs, même si tu partais à l'école, tu vas commencer à faire ça à temps partiel. Ok, ma tante. Il y a plein de filles à côté qui portent des trucs comme ça pour vendre. Il suffit juste de les suivre. Il n'y a rien de mal à ça, hein? Il suffit juste de les regarder comment ils font et puis tu vas juste t'habituer. Hmm? Ok, ma tante. Je crois que tu m'as compris. Oui. Il faut vendre ça, hein? Je ne veux pas attendre des histoires à cause de l'argent, on soit pris dans veille. Oui, oui, oui. Uchechi, 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 oh. Viens. Bon, viens, viens, appelle tes amis. Venez manger. Venez ici. Et venez vous mettre sur la natte. Attendez, je vais vous laver les mains. D'accord? Hein? Allez, venez. Un après l'autre. Toi, avance. Sous le bassin. Avant de manger, oh. Priez que Dieu bénisse cette nourriture au nom de Jésus. Amen. Allez, attends, attends, allez, tu tournes comme ça pour bien manger, d'accord? Dieu, je te bénis pour leur vie. Hein? Qui croirait que ces enfants allaient survivre? Attendez-moi aller trouver pour vous de l'eau à boire, hein? Pour toi et tes amis. Oluma! Oluma! Oui, ma tante. Attention, je vais sortir. Dis-lui que je travaille la nuit. Je ne saurai pas l'attendre jusqu'à ce qu'il va rentrer, ok? Ok, ma tante. Rassure-toi de le servir sans du nez. Et rappelle-toi de bien fermer la porte si tu veux aller oui, dormir. Oui, ma tante. Hein? Viens, tu vas prendre de l'argent pour l'école. Il y a quelque chose d'étrange que j'ai constaté en toi ces derniers jours. Alors, qu'est-ce que c'est, moi? Tu ne reviens plus tard la nuit. Tu ne bois plus. Honnêtement, je ne sais pas comment te remercier. Bien. Je m'étais dit, vu qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, mieux vaut changer. Et? Comme tu peux le voir, je ne suis pas en train de rajeunir. Mon souhait que nous continuions comme ça. Je n'aimais pas cette habitude-là que tu avais de boire. Et d'ailleurs, la bière peut faire aux gens des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Eh bien, c'est dans le passé maintenant. Alors essayons d'oublier tout ça, ok? Merci, Léonie. Merci, ma très chère. Chérie, qu'y a-t-il cette fois? Il y a quelques mois que j'observais
un changement auprès de Loma. Elle n'est plus gentille ni heureuse. Ça la plaît de rester seule et elle nous évite. Et par moments, elle est en solitude. Je t'ai dit de laisser la pauvre fille tranquille. Pourquoi devrait-elle parler avec toi? En tant que son amie? D'ailleurs, je lui ai obligé à s'assurer d'être première à ses examens. Alors peut-être que c'est la raison pour laquelle elle prend ça très au sérieux, ok? Tout ça, c'est derrière ça. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette fille. Quoi d'autre veux-tu savoir? Je t'ai dit que c'est la pauvre fille, tranquille. Ou ne sais-tu pas qu'elle a beaucoup souffert dans le passé, hein, Grace? Quoi donc veux-tu savoir? Ferme-la. N'importe quoi. Tu es fâché? Oui, c'est vraiment ce qui s'est passé l'autre fois. Oui, c'était comme ça. Je t'assure, ma sœur. Oh oh. Mais c'est quoi ça? Oui, ma sœur. As-tu fini avec le bébé? Oui, j'ai déjà fini. Je veux juste l'habiller et rincer les habits. Fais vite avec ça. Je viens de parler avec la sœur Métrone. Elle l'amènera à l'hôpital pour quelques tests de routine. Mais toi, dépêche-toi. Tu me suivras à l'hôpital. C'est bon, ma sœur. Ok. Bébé, comment tu vas? Oui, entrez. Je vous salue, ma sœur. Oh, maintenant tu es rassurée. Tu leur as dit aussi j'ai du bébé? Oui, c'est ce que je suis venue vous montrer. Il a été enregistré par le nom de Dozier. Chukwu Dozier. Ramassé à 6h du matin aujourd'hui, le 1er décembre 1988. Par rapport au statut de l'enfant, ses parents sont connus, mais ils n'ont pas de moyens. Ça c'est bien. Est-ce que vous aviez fini à faire le tout? Oui, sœur, c'est déjà prêt pour le moment. Comme ça, va directement chercher à l'hôpital. Pour que vous sachiez comment prendre soin du bébé. S'il te plaît, pardon, fais ça. D'accord, sœur. Cela m'a rappelé. Dis à la sœur Margaret d'être prête parce que nous allons sortir. Nous irons au marché juste après que je finisse. Ça serait dans les 30 prochaines minutes. D'accord, sœur. Bon après-midi, tu as acheté à manger? Non, madame, je suis venue pour
pour la demande d'emploi que vous avez affichée là-bas. Ça veut dire que tu es capable de le faire. Je ne comprends pas, madame. Je veux dire, combien dois-je te payer pour ton service? Tout, madame. Si seulement vous me permettez de dormir ici. Je peux même déjà commencer, madame. N'as-tu pas un endroit où habiter? Non, madame. Je n'ai personne de ce côté ici. As-tu déjà mangé? Non, madame. Je n'ai encore rien mangé. Ok, prends place. Laisse-moi te donner à manger. Merci, prends place, madame. Hein, j'arrive. Merci beaucoup. Tu veux pas que je reste dans la maison? Où se trouve Noma? Alors reste. Où elle se trouve? Je te pose la question. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Hein? Quel est ton problème? Oloka, je te pose la question de savoir où est Unoma. Ça fait au moins plusieurs temps, Dieu le sait, et tu ne me réponds pas. Si quelque chose arrivait à cette fille, tu aurais une réponse à me donner. Pourquoi ne pas partir la chercher au village ou soit te les rapporter à la police? Alors va à la police et va aussi au village à ma place. Hein? Ne sommes-nous pas mariés et femmes? Nous sommes ensemble dans ça. Nous ne sommes pas ensemble dans ça. Oh. Nous ne sommes pas ensemble. Mais, Unoma a disparu. C'est le problème que nous avons. J'ai fait de mon mieux. Je ne retrouve pas Unoma. Mon cher mari, tu n'auras pas la paix jusqu'à ce que tu vas retrouver Unoma. S'il te plaît, laisse-moi en paix maintenant. Tu n'auras pas la paix jusqu'à ce que Unoma va retourner de cette maison. Très bien. Va retrouver Unoma dans ce cas. Va retrouver Unoma dans ce cas. Hein? Va retrouver Unoma dans ce cas. Va et ramène-la dans ce cas. Il faut chercher cette fille. Je te demande d'aller chercher Unoma, sinon on va voir dans cette maison. Oui. Vous avez mangé de la garri aujourd'hui? Ça c'est très bien. La garri vous rendra plus fort. Hein? Tu as mangé de la garri toi aussi? J'espère que vous êtes Monsieur Chima. Exact. Vous m'avez appelé hier pour me dire que vous allez passer aujourd'hui. Je suis Chima. Machi, c'est ma femme. Oh, je suis la sœur Pauline. Je gère l'orphelinat. Okay. Sœur Margaret et Marie sont mes assistantes. Oh, sois la bienvenue dans l'orphelinat. Bienvenue. Ok, merci. Ma sœur, nous avions quelque chose pour les enfants dans le coffre. Oh, merci beaucoup, madame. Oh, messieurs, venez. Venez nous aider de prendre ce qui se trouve dans le coffre. Ok. Some kids who dance all fall in the street.
Est-ce que tu peux porter ça? Hein? Est-ce que tu peux... Voilà, vas-y doucement en tout cas. Vas-y tout doucement. Soyez le bienvenu dans l'orphelinat, la compassion. Merci infiniment, ma sœur. S'il vous plaît, prenez place. Merci. Une fois encore, je vous remercie pour votre attention que vous avez envers ces orphelins. Ce travail est vraiment très difficile pour nous. Si nous avons plusieurs personnes comme vous autour de nous, Dieu va nous rendre les choses faciles. Merci infiniment. Pour ce qui est de l'adoption, quand vous nous aviez introduit votre première lettre, que vous voulez un garçon de 2 ans. Comme ça particulièrement. C'est ce dont nous avons besoin. Ça c'est bien. Tu sais, la compassion qui est en nous nous pousse à vérifier à qui nous pouvons donner la garde de nos enfants d'ici. Et pour cette adoption, nous n'avions pas le garçon de 10 ans pour l'instant qui est prêt à être adopté. Mais à part ça, mais je veux que vous sachiez ceci, que parmi ces enfants, il y a des ceux qui ont leur papa et maman en vie. C'est le parent eux-mêmes qui ont amené leur enfant ici, afin d'avoir une bonne éducation. Et ils attendent que leur enfant ait un certain âge pour qu'ils viennent le réclamer. Vous voyez? Donc les enfants de cet âge que nous avions ne sont pas prêts pour l'adoption. Et vous savez, si par exemple leurs parents ne viennent pas réclamer à 8 ans, vous aviez le droit. Vous allez venir sans problème adopter un tel enfant. 8 ans, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous attendrons. Nous attendrons. Ceci, c'est pour que vous preniez soin des autres orphelins dans l'orphelinat. Ok. Ceci est un autre chèque de 50 000 liras. Cet argent-ci est pour le petit garçon que nous sommes en train d'attendre durant tous ces 8 ans. Quel est son nom, vous aviez dit déjà? Son nom, c'est Chukwudozie. Chukwudozie? C'est un très joli nom. Bien, ce second chèque, c'est pour Chukwudozie lui seul. Nous voulons que vous preniez très bien soin de lui pour nous. Merci beaucoup, monsieur. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse aussi. Et je voulais vous dire ceci. La compassion donne le meilleur à nos enfants. Bien. Soyez sûr que nous allons bien utiliser ce que vous aviez donné aujourd'hui. Merci. Je veux prier Dieu pour vous garder et vous bénir tout le jour de votre vie. Okay, pour ce que Dieu vous avez fait pour notre enfant. Merci infiniment, ma sœur. Merci infiniment. Merci à vous aussi, merci. Merci et soyez une fois de plus le bienvenu dans la compassion. Merci, Dieu vous bénisse. Désolé, je ne le ferai plus, d'accord? Je ne le ferai plus.
Où étais-tu parti, mon frère? Donc tu m'as laissé ici aller à un autre endroit. Je ne t'ai même pas vu à l'école. Il ne va plus t'abandonner, hein? Écoute-moi, je suis désolée. Je ne partirai plus comme ça. Pardonne-moi. S'il te plaît, je suis désolée. Je te pardonne. Alors, c'était comment à l'école? C'était bien. Bon, c'est pour toi. Pourquoi vous êtes là-bas? Est-ce que je vous ai interdit, spécialement toi, Dosier, de ne pas séparer des autres lorsque vous mangez ou bien quand tu fais autre chose? Mais la sœur principale a dit que je pouvais manger avec mes amis. Oui, mais pas loin d'eux. Tu m'entends? Laisse-moi te dire. Tu vois, c'est Choma que tu, avec qui tu joues à tout moment. Bientôt, ses parents seront là et je verrai avec qui tu vas jouer. Allez, on verra. Et toi, passe là-bas. Allez, là-bas. Vite! Dépêchez-vous! Pas à l'extérieur en train de t'entendre. Hein? Non. Nikki, tu peux pas me laisser ici. Nikki, je t'en prie, tu peux pas me laisser ici. Souviens-toi de quand j'étais sortie avec la soeur principale sans toi. On était d'accord, mais toi, tu veux me laisser pour toujours. Je t'en prie. Dosie, je t'en c'est prie. Bon, s'il te plaît, ne sors pas, je t'en prie. Hein? Non, Nikki, s'il te plaît, ne me laisse pas ici. Nikki, viens, on y va. Je t'en prie, Nikki, ne me laisse pas ici, je t'en supplie. Nikki, je t'en prie, ne me laisse pas ici. Nikki, tu avais promis de rester avec moi. Non, Nikki, je t'en prie. Dosier, il faut arrêter de pleurer. Nikki viendra te rendre visite de temps en temps. Ma soeur, dites-moi la vérité, dites-moi que vous me mentez. Désolé. Il est parti pour toujours. Désolé. Maintenant, Nikki est parti. Désolé. Nikki! Ma fille, je t'en prie. Oloma? Oloma? Ma? Ma? Ça, c'est ton argent. Tiens. Merci, Ma. Il n'y a pas de problème. Okay. Merci. Ok, il n'y a pas de souci. Merci, Ma. Ma? Je vais vous dire quelque chose, Ma. Oui, c'est quoi? J'étais en train de réfléchir, Ma. J'étais en train de réfléchir pour mon père. Je ne sais pas si vous allez me permettre d'aller le passer. Ma tante et mon petit frère. Ça fait vraiment longtemps que je les ai vus. Quand est-ce que tu penses y aller? Dans des jours, maman. Des jours seulement. Juste le revoir un peu. Je vais aller voir mon petit frère. La dernière fois que je l'ai vu, il était trop petit. Je vais aller savoir comment il se porte. Oloma, tu es une fille très gentille. Je ne t'empêcherai jamais d'aller voir ta famille. Dis-moi, quand est-ce que tu veux y aller? Le vendredi. Le vendredi sera mieux, maman. Le vendredi? Ok, comme ça tu peux revenir le vendredi prochain. D'accord? Merci, maman. Que Dieu vous bénisse, maman. Pas de problème. Oloma, je vais me déplacer d'un moment à l'autre. Quand je serai partie,
Veille sur la maison, d'accord? Ok. Ferme la boutique, oh. Puis-je avoir la paix à l'intérieur de moi? Que cette présence paisible, que cela vienne me libérer de toutes mes souffrances. Mon Dieu. Non. Non. Je dois mettre tout ceci hors de ma vie. Je dois la surmonter toute seule. C'est le moment de faire face à la vérité. Et surtout, on n'est pas réglé devant ça. Ceci est une histoire que je dois raconter. Mon Dieu, est-ce que j'ai perdu beaucoup de temps? Est-ce que je peux encore me souvenir du visage de mon petit frère? Et ma tante amie, qui sait même s'il est encore en vie? Oh mon Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, je vais voir ma tante. Garde-la en vie pour moi, s'il te plaît. Ma tante amie, c'est bien moi. Ploma, la fille de ta sœur. Hey! Ploma! 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 Ma tante! Ploma! Ploma! C'est bien toi? C'est moi, ma tante! C'est moi! C'est toi! C'est moi! C'est moi, ma tante, c'est moi. Mais pourquoi tu n'es plus revenue? Et tu reviens après 10 ans. Tu reviens me voir après 10 ans, j'étais pour chercher. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une très longue histoire. Une très longue histoire. Oloma. Oloma. Oloma.
Est-ce que je peux d'abord changer mes habits? Laisse-moi prendre ton sac. Non, je vais le porter. Je vais le porter moi-même. Donne-moi le sac. Laisse-moi le transporter pour toi. Laisse-moi le transporter pour toi. Oh, le bas. S'il te plaît, es-tu prête pour m'attendre? Je vais libérer mon cœur qui est rempli de ténèbres en toi. Si c'est ça que tu veux, je le ferai. L'histoire que je suis prête à te relater, c'est l'histoire de ma vie. Je ne suis pas fière de faire partie de cette vie, mais je suis fière d'être une victime des circonstances. Je ne sais pas. Oulouma, viens chez moi, ma chérie, approche. Maman, s'il te plaît, je dois faire tout ceci. Je dois moi-même sauver ma vie. Oloma, approche. Après avoir parti avec l'oncle Lucas, c'était prévu qu'il m'inscrive dans un collège de là-bas. Sa femme avait refusé parce que je n'étais pas digne et que je n'étais pas présentable. Elle m'avait pris comme une bonne. Elle m'avait pris comme une bonne pour que je l'aide avec des travaux domestiques. Et je vendais des choses pour elle. Sa femme était une infirmière, maman. Et moi, je devais être une étudiante dans une grande école. Et moi, j'étais là à la maison faisant les travaux ménagers. Mais pourquoi tu me racontes tout ceci? Est-ce que c'est là à voir avec... J'étais à tout moment seule à la maison avec lui. Je le prenais normal. Je le prenais vraiment normal. Jusqu'au jour où... Vas-y, parle. Mais moi, je ne peux pas. Il avait pris une partie de ma vie, maman. Et cela restera une blessure durant toute ma vie. Ok, bien, laisse-moi éteindre la lampe comme ça. Tu pourras bien le dire. Peut-être que tu as, je ne sais pas moi, honte ou quoi. Hein? Oloma, reviens. Oloma, reviens ici. Où est-ce que tu vas? Oloma. Maman, papa. Maman. Oloma, s'il te plaît, arrête. Viens, arrête de pleurer. Arrête de tourner le couteau dans ma plaie. Maman. Oloma, lève-toi. Lève-toi, Oloma. Oloma, arrête de pleurer, sache que je suis là pour toi. Je serai toujours là. Oloma, lève-toi. Lève-toi. Sœur Maitland, voici le document. Ok. Il faut signer ici. Ok. Félicitations, madame et messieurs. Merci infiniment. Merci. Merci. L'enfant Ndozé va dormir avec vous aujourd'hui. Vous devez lui manifester de l'amour. Donnez-lui tout ce qui est nécessaire pour sa croissance. Ne le privez de rien. Bien sûr. Montre-lui de l'amour comme si c'était votre propre fils. La convention qui est entre nous, c'est de te suivre
et comment tu prends tes responsabilités face à lui. Comme vous l'avez accepté aujourd'hui, ça c'est comme ça que vous devez faire. La convention ne fait pas seulement qu'on adopte les enfants. Non, nous facilitons l'adoption et s'assurons que les choses vont correctement. Au moment opportun, s'il veut voyager à l'intérieur du pays, s'il vous plaît, vous devez de toutes les façons lui donner ce dont il a besoin. Ok. Encore une fois, félicitations. Merci infiniment, hein? Merci infiniment. Merci. Maître, nous n'allons pas vous laisser tomber. Dozier sera plus qu'un fils pour nous. Et nous ferons le mieux que nous pouvons. Oui, bien sûr. Une chose importante encore, n'oubliez pas la compassion. Mais non, 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 ne lui dites pas une chose pareille. Nous sommes déjà membres d'une famille. Oui. Oh, merci. Merci beaucoup. Hein. Monsieur, la sœur a dit que vous êtes mon papa. Oui. Exact. Et nous sommes venus pour t'emmener à la maison. Ok. Et voici ta mère. Ah, ma maman. Est-ce que je pourrais voir Choma et Nikki aussi? Choma et Nikki sont ici à attendre jusqu'à ce que leurs parents viennent les chercher. Oh, je vois. Oh, exact. Ils viendront te voir de temps en temps. Ok. Viens. Alors, allons-y maintenant. D'accord. Au revoir, mes sœurs. Voilà comme il dit. Oui, bonjour. Oui, je suis en train de chercher le directeur général de cet endroit. Le directeur général, tu veux dire celle qui est en charge des orphelins? Oui, si c'est lui qui s'en charge. Ok, bien, dis-moi, tu avais rendez-vous avec elle? Ah, non, pas du tout. Et pourquoi tu veux la voir? Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la paix soit aussi avec toi. Merci. Allô? Allô? Hey. Hey! Oui, ma soeur. Désolée. Je vais savoir si elle peut me donner du travail. Même comme une nettoyeuse. Ou soit une nounou pour les enfants. Mm-hmm. Mais alors, Félina, ce n'est pas du tout facile. Hein? Serais-tu en mesure de gérer les enfants et de bien prendre soin d'eux? Ah, oui, j'aime trop prendre soin des enfants. Ok. Ok, d'accord. Hein? Tu peux entrer par ici. Tu prends la gauche. Tu verras une porte qui est juste là au coin. Adresse-toi à la dame que j'ai trouvée à l'intérieur. D'ailleurs, très bientôt, il y aura un poste vacant pour lequel nous cherchons des candidats. Comporte-toi juste comme il faut et je crois que tu gagneras le poste. Merci. D'accord? Merci, okay, ma soeur. Bonne chance. Merci. Ah ah. Non,
Mais comment tu as laissé l'autre habit sale? N'as-tu pas vu ça? Edith, je n'ai même pas fini avec ce qui était prévu que je lave aujourd'hui. Écoute, ce n'est pas comme ça que nous faisons ici. Oh. Quand les habits deviennent sales, il faut tous les laver. Dieu merci, la sœur ne t'a pas vue. Sache qu'elle ne sera pas d'accord si elle voit tout ça. Qui de vous deux a nettoyé ses habits? Je le fais, ma sœur. Tu as fait vraiment un bon travail. Merci, ma sœur. Après que tu aies terminé à prendre soin de ces bébés, je veux que tu ailles là-bas au magasin pour que tu arranges bien les affaires. Nettoie tous les draps de cette chambre. Je veux que ça soit bien fait, ok? Oui, ma sœur. Merci, ma sœur. Edith, tu veux dire que tous ces enfants, ils n'ont pas de parents? Non, pas tous. Il y a quelques-uns. Ce qui est vrai, d'autres ont encore leurs parents vivants. Ils sont là. Mais d'autres ont été amenés ici parce que leurs parents ont des problèmes mentaux. Un problème mental? Oui, il y a des femmes qui ont des problèmes mentaux juste après leur accouchement. Et juste après, on récupère les enfants pour qu'ils ne soient pas affectés par ces problèmes, tu vois. Edith, vous avez aussi les abandonnés ici? Du genre les enfants qu'on a abandonnés? Oui, je dirais quelques-uns. Nous prenons soin d'eux jusqu'à l'âge d'une année, demi ou deux ans. Et puis il y a des parents qui viennent les adopter. Les adopter? Oui, c'est ce que nous faisons ici. Nous les récupérons d'où leurs parents les abandonnent et nous prenons soin d'eux. Après un temps, il y a des couples qui viennent solliciter, adopter deux, trois enfants pour vivre avec eux. Ils deviennent à eux. Edith, vous n'avez pas des enregistrements? Du genre les enregistrements quand ils prennent des enfants abandonnés, pour savoir où ils sont allés, comment ils se portent, un genre n'importe quel enregistrement. Oui, c'est ce que nous faisons. Une fois nous les prenons, nous les enregistrons. Et sur ce registre, nous mettons tous les éléments, oui, même les adresses, d'où nous les récupérons. Même ceux qui sont morts ont été enregistrés. Et ceux qui sont morts? Oui, il y a d'autres qui meurent en route en venant d'ici et d'autres qui meurent juste deux jours après leur accouchement ou trois jours après. Et il y a un que je n'oublierai jamais. Et celui-là a été abandonné par sa mère, juste au bord de la rivière, avant que les sœurs ne viennent là. Cet enfant était enveloppé des sables et du sang sur tout son corps. Non, c'était pénible. Il y avait de la boue dans ses narines, non. Dans les yeux. Thank you.
Mon Dieu. Où est-ce qu'ils ont gardé les enregistrements? Bonjour, ma sœur. Bonjour, comment tu vas? Oui, je vais bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, je t'ai venu nettoyer le pavement, juste le pavement, et j'arrange le livre. Oh, tu as fini? J'ai déjà fini. J'ai déjà fini. Merci, ma sœur. Au revoir, ma sœur. Maman, j'ai faim. Oh, Dosier. J'étais passée dans ta chambre. Je pense que ceci est à toi. Bon appétit. Ok. Oui. Ah. Ah. Ça paraît appétissant. Dosier, tu es l'homme. Alors bénis la nourriture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Papa, nous prions que tu bénisses cette nourriture au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est si merveilleux. Maman? Oui? Papa a dit que c'est moi l'homme de la maison en cas de son absence que je devrais prendre soin de toi. Oui, c'est exact. Tu y es l'espoir de ton Père. Et tout ce qu'il fait, il le fait pour toi. C'est pourquoi il veut que tu sois un grand homme. Tu auras l'habilité de contrôler le business de son empire. Et je sais que tu le feras. Bien sûr que oui. Je ne laisserai pas tomber papa et encore moins toi, maman. Oh, c'est mon fils. Alors mangeons maintenant. Vas-y, passe-moi le ballon. Passe, papa. Waouh, bravo, papa. Oh. Tu aimes ça, n'est-ce pas, fiston? Quoi? Là d'où nous venons, bien sûr. Le gym? Bien sûr, le gym. J'ai adoré ça. Nous pourrons passer là-bas de temps en temps, n'est-ce pas? Bien sûr, on fera bien ça. Des fois, hein? C'est bien de garder la forme, tu sais? Alors de temps en temps, nous retournerons là-bas, hein? Ok. Pour faire un peu de l'exercice. Rappelle-moi de... gonfler les pneus, s'il te plaît. On doit gonfler les pneus. Quand on verra un réparateur, ok? Ok, papa. Ça fait beaucoup de temps que nous sommes sur la route, alors je pense que les pneus ont besoin d'être gonflés. Hein? Ok. Mon ami! Ça fait très longtemps! Où étais-tu? Je vis avec mon père à 2 avenues d'ici. Et alors Thomas, est-ce que tu l'as vu? Je n'ai plus jamais revu personne depuis que j'ai quitté l'orphelinat. Je me demande bien où est Thomas, peu importe, viens, je te présente mon papa. Ton papa? Exact, viens. Papa, je te présente mon ami, Nikki, on était avec lui à l'orphelinat. Bon après-midi. Nikki, voici mon père. Comment vas-tu? Bon après-midi, je vais bien, monsieur. C'est bien ça. Papa, il a dit qu'il n'habite pas très loin d'ici. Comme ça, on pourrait aller l'accompagner. Comme ça, je pourrais connaître la maison et je tout pourrais passer là-bas veux, de temps en temps. Rien que pour toi, Dosier. Merci, allez, papa. Allez chercher la bicyclette. Comme ça, on va l'emmener, hein? D'accord?
Quand j'ai présenté au père la liste de besoins que nous... Bonjour. La liste de besoins que nous avons pour l'orphelinat, il m'a dit « Ok, il n'y a pas de problème, on va voir ça après. » Donc, c'est sur ça que nous sommes. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Chantez, chantez. Oh, c'est merveilleux ça. Joyeux anniversaire. Bon appétit. Merci beaucoup. Allez, amuse-toi bien. Ça va. Merci, loulou. Le meilleur, hein, est à venir. Le meilleur est devant toi. Alors bon, tu grandis, n'est-ce pas? Alors dis-moi, n'est-ce pas vrai ça? Si, c'est vrai, papa. Mais vas-y, dis-moi, peut-être que je suis en train de mentir. Non, pas du tout. C'est pas bon, mon monsieur. Ah, quel joie de nous retrouver. Mes sœurs, merci d'être là. Nous remercions Dieu en tout cas. Merci beaucoup d'être venu. Merci, je dois tous vous remercier. Merci beaucoup d'être venu. Merci ma sœur.
Oui, merci, mm-hmm. merci. Salut, Sœurette. Merci infiniment, merci. Merci, mes sœurs, d'être venues. Je vous remercie infiniment. Vraiment, c'était une grande joie de me retrouver encore avec l'enfant. Ok. Un jour merveilleux. Cheers. Oui, est-ce que tu passes sûr. De bons moments? Oh, oui. Bien sûr, papa. C'est très bien. Merci. Mm-hmm. Pas trop de boissons sucrées. Mange okay, doucement. Bien, d'accord. Vas-y doucement. Dosier. Oui, ma soeur. Joyeux anniversaire. Oh, merci. Maman, viens voir. Un cadeau? Oui, maman. Oh, merci beaucoup, ma sœur. C'est un gentil garçon. Tu sais où sont parties les sœurs? Je ne sais pas. Edith. À part la sœur principale, tu penses qu'une autre personne peut garder les enregistrements dans cet endroit? Bon, en ce que je sache, elle est la seule qui le fait, oui. Je ne sais pas si notre sœur le fait aussi à part elle. Hein. Ça peut être une autre sœur. Ça doit être une autre sœur. Je pensais à ce qu'on parle nous tous, à propos de cela. À propos de quoi? À propos de tout ce que je t'avais demandé, non? Edith, dans des organisations pareilles, n'importe qui n'est censé garder les enregistrements. Ça doit être bien caché. Hé! Hey. Oloma, mais pourquoi tu es aussi intéressée à cela? Es-tu en train de cacher quelque non. chose? Hey! Non! Hey! C'est juste la curiosité. Laisse-moi aller laver les assiettes. J'en ai marre, sérieux, Dosier. Je suis fatiguée de ça. Essaie juste d'y aller doucement avec lui. Tu as l'air de ne pas savoir que tu es chanceux d'avoir un père qui te comprend parfaitement. Mais le mien ne comprend absolument rien de tout ce que je fais. Il n'arrête pas de blâmer à chaque instant que je suis coupable de la mort de ma mère. Juste parce que ma mère est morte tout de suite après m'avoir donné naissance. Et tu sais quoi? Cet homme trouve ça très difficile de se trouver une nouvelle femme. Tu le blâmes donc vraiment à ce point? Devrais-je vraiment porter le fardeau d'un problème que je ne connais même pas? Tu sais, hein? Je comprends parfaitement comment tu te sens. Mais tu devrais comprendre que ton père passe par beaucoup de troubles émotionnels. À cause de la mort de ta mère, ce qui va sûrement le déranger à chaque instant. Tu devrais lui donner un peu de temps pour pouvoir se remettre de tout ça. Tu sais que ce sont des situations difficiles. Peu importe, viens, je vais te faire visiter ma maison. Vie pour toujours. Hé, hey, ma soeur! Ma soeur! Hé, hey, ma soeur! Ma soeur, il y a un problème? Oui, il y a un bébé qu'on a abandonné là-bas en route. Un bébé abandonné? Dieu. Oui. Qui a fait ça? Je ne sais pas, je l'ai juste vu là, je ne sais pas. Allons-y, nous allons voir. Le bébé est en vie. Oui, le bébé est en vie. Allons-y, on va le voir. Madame, le père du registre est là. Je viens de finir l'enregistrement de nouveau bébé. Quel est le nom que vous lui avez donné? Oui, tout est là. Oh, Ifanie Chukwu, c'est bien.
Bonjour Aluma. Pourquoi vous ne m'avez pas appelé pour que je vous aide? Oh non, t'inquiète. Laisse-moi le faire. Mais allez, maman, permettez-moi aussi de vous aider. Je sais, c'est vraiment merveilleux. Quand tu as un cœur de compassion, tu es obligé de faire tout ceci toi-même. C'est vraiment confiant. Bien sûr que oui, Aluma. Je n'ai pas une autre option. Et la principale? Il n'y a pas d'exception, ma sœur. Ah, êtes-vous sérieuse? Vous ne pouvez pas être sérieuse. Oui, crois-moi. Tu veux dire, après toutes les journées passées pour prendre soin des enfants, elle revient pour faire tous ces gères du travail elle-même? Oui, bien sûr qu'elle le fait. Nous n'avons plus d'autre option, Aluma. Non. J'aimerais bien l'aider. J'aimerais bien l'aider en lavant ses habits et prendre soin de cela comme elle le voudra. Hein? Tu peux m'aider à parler avec elle? Oh, Aluma, je ne pense pas que ce sera possible de le faire aujourd'hui. Ce n'est pas une tâche facile. Oh. Tu sais, j'apprécie beaucoup ton bon cœur. N'as-tu pas encore entendu ce dicton qui dit que celui qui pense être grand doit être serviteur des autres? La sœur trônée, c'est elle qui est le numéro un de la maison de compassion. Et bien sûr qu'elle a des sœurs avec qui elle travaille et qui viennent à son aide de temps en temps. Les choses ne se déroulent pas comme avant. Comment? J'ai entendu la sœur en parler. Oh, sa vie est vouée à la pauvreté et à la charité, oh, c'est ça? C'est le serment que nous avons professé pour notre métier. Ceci lie nos vies à la pauvreté et à la charité absolue. Peut-être que tu n'as jamais su à quoi ressemblait la vie de religieuse. Ah. Ok. Laissez-moi aller voir la sœur Edith et voir comment elle évolue avec les enfants. Ah, ok. Merci. Bien, d'accord. Hey. Et maintenant, comment j'aurai la clé? Hein? Ah, ok, merci. Ah, d'accord.
C'est elle qui nettoie par moments. Elle est fait proprement et c'est vraiment magnifique. Messieurs. Comment tu vas, ma chérie? Oui, je vais bien. Sœur Meto! Sœur Meto! C'est quoi le problème, Edith? Le bébé est en train de convulser. Je ne sais quoi faire. Il est en train de convulser fortement. Oh mon Dieu, pas ça! Hey. Oh. La sœur Nena, s'il te plaît, appelle les chauffeurs. Dépêche-toi, fais vite. Fais vite, oh. Dépêche-toi, fais appeler les chauffeurs. Les chauffeurs, oh. Les chauffeurs, oh. D'accord. Bonjour, messieurs. Où sont les documents? Les voici, messieurs. Bien. Assurez-vous d'envoyer toutes ces lettres au secrétariat immédiatement. Ok, monsieur. Et qu'en est-il de la réunion avec les chefs des départements? Tout est en ordre, monsieur. Et le mémo? Nous pourrons l'envoyer cet après-midi. Bien. Bien. Est-ce que quelqu'un m'a cherché? Non, mais pour cette fille qui est à côté du bureau. Je n'ai pas l'air de la connaître. A-t-elle dit pourquoi est-ce qu'elle était venue me voir? C'est pour le travail, monsieur. Oh. Elle demande le poste des nettoyeuses ou messagères. Est-ce qu'on en a besoin? Oui, monsieur. Monsieur, vous savez, depuis que Madame Etchukwudu a voyagé pour vivre avec sa fille, je fais presque tous les nettoyages et beaucoup de choses, monsieur. Ok, interviewez-la et si elle est bonne, prenez-la. Est-ce bien, ok? D'accord, monsieur. Merci monsieur. Infiniment. Bonjour, Oma. Comment tu vas? Très bien. Comment s'est passée ta nuit? Ma nuit a été bonne, madame. D'accord. As-tu déjà arrangé les bureaux du DG? Oui, j'ai tout nettoyé. Ok, c'est bien.
Bonjour, monsieur. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Ok. Kate? Oui, madame. As-tu fini l'analyse des tests? Oh oui, madame. Je l'ai fini hier l'après-midi. Puis-je les avoir? Oui, bien sûr. Je serai dans l'autre chambre. Comment vas-tu? Très bien, madame. Ok. Merci, madame. Merci, madame. C'était ici. Laisse-moi voir. C'est merveilleux. Oh, c'est joli. Donald. Hein? Elle est vraiment intelligente. Ah. Son analyse est parfaite. Ouais. Oui. Kate est très travailleuse. Je sais ce qu'elle peut faire. Oui. C'est vraiment excellent. Oui, Donald. Je me rappelle. J'ai pensé à cette fille qui nettoie ton bureau, Loma. Qu'a-t-elle fait? Eh bien, elle est dévouée et seule. Je me disais qu'elle serait capable de travailler dans la maison. En tant que qui? Comme ma gouvernante et aussi ma compagne. Hein? Oui, parce qu'à chaque fois que Dosé va à l'école, la maison devient trop ennuyeuse, spécialement quand tu n'es pas là. C'est une bonne fille et je pense qu'elle est apte. Oui, elle est. Mm-hmm. Mais qu'arrivera-t-il à son travail ici? Eh bien, nous dirons à Kate de trouver un autre employé. Ou simplement la garder. Elle peut travailler dans deux endroits jusqu'à ce que nous allons trouver une autre personne pour remplacer au bureau. Ok, je réglerai ça avec Kate. Merci, chérie. C'est pourquoi je t'aime. Puis-je utiliser ton téléphone? Oui. Kate, dis à Oumuma de s'apprêter. Elle va m'accompagner au marché maintenant. Oui, ok. Que voudras-tu manger au dîner? Je serai à une réunion. Mais je rentrerai rapidement à la maison pour dîner. Je ne voudrais pas te tuer. Qui s'en préoccupe? Bien sûr. Ok. Oloma? Oui, madame. J'espère que tout va bien ici. Oui, tout se passe bien, maman. Oh, c'est vraiment merveilleux. Écoute, mon fils viendra pour ses vacances. Oui, madame. Rassure-toi que la nourriture soit prête. J'espère que tu connais très bien mes préférences, n'est-ce pas? Pas de problème, madame. Je suis impatiente de voir ton fils. J'ai appris beaucoup de choses à propos de lui. Oh oui, c'est un homme intelligent. Tu vas beaucoup l'aimer. Okay. Alors, prends bien soin de la maison, d'accord? Ok, madame. À bientôt, d'accord? Fais-moi la passe. Je vais te prendre le ballon à temps, tu vas voir. Aïe! Aïe! Hey. Oh. Désolé, désolé. Ah. C'est juste une erreur. Désolé. Aïe. Désolé, désolé. Ah. Désolé, s'il te plaît. Dosier! Désolé, ma jambe. Désolé, hein, s'il te plaît. Jambe. Excuse-moi. Ah. Désolé, désolé. Hein. Ça va aller, aïe. Désolé. Aïe. Désolé. Aïe. Ne faut pas jouer avec brutalité. Regarde comment tu t'es blessé. Désolé, désolé. Désolé. Vas-y, supporte, vas-y. Désolé. Hein? Vas-y, donne-moi ta main. Vas-y, mange-les tout, d'accord?
Oloma. Ah, ça va? Monsieur, bon après-midi, monsieur. Merci. Ah, monsieur, où est votre voiture? Ce n'est rien, j'ai parqué à l'extérieur. Ok. Où est ta patronne? Ah, elle est allée à l'école récupérer un dossier. Je vois. Tu as déjà fait le dîner, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Laissez-moi aller le prendre. Venez vous asseoir, monsieur. Je suis heureux de savoir que tu as exaucé toutes mes prières. Par ta grâce, tu m'as rapproché de... La nourriture est prête, monsieur. Je ne suis pas encore prêt. Monsieur, mais vous m'avez... Je ne t'ai pas demandé cela. Je vous en prie. Reviens ici, Oloma. J'ai dit reviens ici. Qui es-tu? Qui es-tu? Oloma, monsieur. Tu croyais pouvoir duper qui ici? Maintenant, le jeu est fini. Qui a écrit ceci? Oh. Où avez-vous pris ça, monsieur? Ça devait être à moi de te demander ça. Qui t'a dirigé dans cette famille? Hein? J'ai dit qui t'a conduit dans cette famille? Je vous en prie, monsieur. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Ne me tiens pas rigueur. Je fais du mal à personne dans cette famille. Comment pourrais-je? Ça fait longtemps. Longtemps que j'ai demandé à Dieu la prière qui a été finalement exaucée. La prière que je fais il y a plusieurs années. Je n'ai jamais voulu que les gens sachent que je suis victime de circonstances. Mon père est mort quand j'avais 15 ans. 3 mois après, ma mère est morte après avoir accouché de mon frère. Mon monde s'est écroulé. Mon monde s'est écroulé et je ne pouvais rien faire. Comment je pourrais penser à prendre soin de toute la famille, monsieur? Comment? Chacun s'occupait de ses affaires dans notre famille, monsieur. Ça va aller. Allez, je t'en prie, tiens-toi debout. Lève-toi. Vas-y. Lève-toi. Ça va aller. Ça va aller maintenant, ok? Calme-toi, s'il te plaît. Ne t'en fais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Hein? Répondez-moi! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Elle a voulu tuer notre fils. C'est donc ça votre plan pour me remplacer?
C'est donc comme ça que tu veux me payer en retour après tout ce que j'ai fait pour toi? De quoi es-tu en train de parler exactement? Oh, tu veux maintenant savoir de quoi je parle? Ok. Et je suis sûre qu'elle était au courant de tout ça. Si jamais elle disait la vérité. Vérité? Quelle vérité? Elle n'est qu'une menteuse, une profiteuse. Juma, elle doit quitter ma maison. S'il te plaît. Elle doit s'en aller. Calme-toi. Donc, tu complotes contre moi dans ma propre maison, n'est-ce pas? C'est ce que tu es en train de faire. Dehors, hors de ma maison. Je t'en prie. Je dis sors de ma maison. Arrête un peu de la frapper. Ceci ne te concerne pas. Ne dis aucun mot. Sors de ma maison. Je dis dehors. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Je dis dehors. Sors de ma maison. Tu m'as réveillé, toi. Lève-toi. S'il te plaît, Chima, s'il te plaît, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Chima, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je ne voulais pas que ceci puisse arriver, Chima. Réveille-toi, Chima. Réveille-toi, s'il te plaît. Maman, j'ai juste fini avec les études que j'avais à faire et voilà pourquoi je suis là. Je vois que tu as très bien pris soin de maman. Toi. Oh mon cher, je sais que tu ne vas jamais me décevoir. Bien sûr maman. Mais tu sais quoi, tout ceci n'aurait jamais été possible sans toi. Maman, Alors, comment va Ella et les enfants? Pour être exact, c'est 4 jours pour arriver ici. Ok. Oui, il faut 4 jours avant qu'ils n'arrivent. Tiens-moi au courant quand ils vont arriver, ok? Ok maman, ok. Oui, encore une petite chose d'osier. Oui maman. Je suis en retraite par rapport à la compagnie. En retraite? Oui. Alors, étant ta seule famille, je veux que tu puisses gérer toutes les activités de la compagnie. Je ne veux pas interférer. Oui. Mais maman, ne penses-tu pas que c'est vraiment très soudain? On a encore besoin de ta présence parmi nous. Ce n'est pas le cas, pas du tout. Je suis sûre que tu peux le faire, mon fils. Je sais que tu peux. Je préfère te conseiller aussi longtemps que tu voudras. Je sais que tu peux le faire. Exact, maman. Je peux le faire, mais j'étais juste en train de penser à comment... Oh non, ne m'appelle pas maman. Ok, ok, ok. Si tu le dis, alors. Je le dis. Ainsi soit-il. Bien sûr que oui. Je le ferai. Prends bien soin de la maison, hein. D'accord, maman. Très bientôt, tu verras que tu seras vraiment fier de moi. Oui, je le serai. Prends bien soin de toi. Allô? Oui, c'est bien moi. Oloma. Oh, oui, allez-y, allez-y. Oui, faites-la entrer immédiatement, je vous en prie. Ok, Kate, merci. Tantine Noma, comment vas-tu? Je veux bien. Regarde-toi. Allez, je t'en prie, assieds-toi. Waouh. Tu as vraiment l'air de quelqu'un très fatigué. Est-ce que ça va, dis-moi? Ça fait vraiment longtemps. Oui, Tantine. Comment tu vas? Je vais très bien, Tantine. Tu emmènes à un homme. Tantine, tu peux le dire à nouveau. Et j'entendis dire que tu t'es mariée. Exact, Tantine. Je suis mariée avec 2 enfants. En passant, ma femme et mes enfants seront ici au pays ce soir pour être précis. Hé hey. Oh. Comme le temps passe. 2 enfants. Exact, Tantine. Un garçon et une fille. Exact, Tantine. Un garçon ainsi qu'une fille.
J'ai beaucoup parlé à ma femme de toi. Tu sais comment tu as pris soin de moi quand papa ainsi que maman étaient tout le temps en trouble. Mais, Tantine, tu as soudainement disparu. Personne n'a entendu parler de toi, personne ne t'a jamais vu. Je veux dire, je revenais juste de l'école et on m'avait annoncé que tu venais de signer ta lettre d'admission. Et tu es parti. Dosier, c'est une longue histoire. Et la vie n'a pas été facile pour moi. Ça va aller, Tantine. Mais j'ai besoin de ton assistance. Tantine, peu importe ce que c'est. Tantine, tu étais si gentille avec moi, ok? Tu l'étais. Je veux que tu me réembauches. Je veux travailler pour toi. Tantine, cela ne sera pas un problème, ok? Écoute, c'est ta maison. Je préfère travailler pour toi ici. Ici, je serai plus heureuse parce que je vais te voir. Et je veux notre corps et âme soient ensemble. Ce n'est pas grave, il n'y a aucun problème avec ça, ok? Écoute, peut-être que tu devrais commencer immédiatement. Je dirai à Kate de te donner les directives de comment tu pourrais avancer. Mais qu'en est-il du logement? Est-ce que tu en as un? Oui, mon fils. Oui, je l'ai. J'ai une chambre. Je veux rester juste près là. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Je dirai à Kate de te donner les directives de savoir quoi faire. Ok? Merci, mon fils. Merci. Dosier. Tantine. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse aussi. Que Dieu te bénisse. Merci, Tantine. Tu ne peux jamais savoir ce que tu signifies pour moi. Tantine, tu es la bienvenue. C'est bon de te revoir à nouveau. Ok? Tu veux dire que tu ne veux même pas que je t'apporte quelque chose à boire? Oh, ça va. Vas-y, lève-toi. Comme ça, je vais te conduire à la chambre des invités. Là-bas, tu seras à l'aise. Il y a absolument tout ce que tu voudras trouver dans la chambre des invités. Allons-y, viens avec moi, Tantine. Par ici. Que Dieu te bénisse. Amen. Maman, je suis très contente de te voir. J'étais très excitée à l'idée de te revoir. Je serais même capable d'en dire plus. Dans ce cas, je n'ai pas à m'inquiéter, d'accord? Mais essaie un peu d'y penser, maman. Tu es la tête de tout ça. Je veux dire, qu'est-ce que j'aurais bien pu faire sans toi? C'est ce pourquoi je dirais toujours merci pour l'opportunité que tu m'as donnée. Oh non, mais ne dis pas. Oui, ça me revient maintenant, maman. Est-ce que tu te souviens toujours de Oloma? Qui est Oloma? Oloma, maman. Elle était dans le passé une autre bonne. Et qu'en est-il d'elle? Elle était venue me rendre visite au bureau. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mom, la vie a été très injuste avec elle. Elle avait besoin d'un job. Alors? Je lui ai donné le job. Qu'est-ce que tu as fait? Écoute, Dosier, je ne veux pas voir cette fille nulle part aux alentours de la compagnie, de cette maison et même ma famille. Je te défends d'être en contact avec elle. Mais, attends une minute, maman. Es-tu sûre de connaître la Oloma dont je suis en train de parler? Bien sûr que je sais de qui tu parles et je sais ce qu'elle a fait dans cette maison. Je te le défends. Mais, maman, elle était... Je ne veux rien entendre. Elle n'avait rien du tout, elle avait juste besoin d'un job. Mais qui est-il derrière cette histoire? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va